La racine de gingembre est très appréciée en cuisine et en médecine. Il a un goût unique et un effet positif sur la santé. Le gingembre revêt une importance particulière pour le corps masculin. Mais comment utiliser cette racine, et sous quelle forme, pour ne pas nuire à votre organisme, mais plutôt profiter de ses bienfaits? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le gingembre est une plante herbacée vivace, originaire d'Asie du Sud. Il contient des vitamines A, C, B1, et des minéraux. Potassium, magnésium, phosphore, fer et zinc. Il contient également 6 acides aminés essentiels. L'ingrédient principal du gingembre est le gingérol. C'est lui qui donne à la racine un goût brûlant. 100 g de racines fraîches contiennent 1,8 g de protéines, 0,75 g de matière grasse, 15,8 g de glucides et 80 calories. 100 g de racines séchées contiennent 9 g de protéines, 6 g de matière grasse, 58 g de glucides et 347 calories. En Asie, le gingembre est considéré comme une plante mâle et est utilisé depuis l'Antiquité pour traiter diverses maladies. Le gingembre est particulièrement célèbre pour sa capacité à augmenter la fonction sexuelle masculine. Voici les bienfaits et propriétés médicinales du gingembre pour la santé masculine. La racine de gingembre améliore la puissance. Dans la Chine ancienne, les hommes consommaient du gingembre pour améliorer leur puissance. Parce que la racine de cette plante aide à augmenter le niveau de testostérone dans le sang et a également un effet tonique général sur le corps masculin. Et les acides aminés qu'il contient aident à augmenter la production de sperme et à normaliser le travail de la prostate. Pour améliorer la puissance, il est préférable d'utiliser du gingembre cru, car lors du traitement thermique, bon nombre de ses qualités utiles pour la puissance sexuelle masculine sont perdues. Le gingembre restaure les articulations. Malheureusement, les maladies articulaires sont très difficiles à traiter. Mais le gingembre peut non seulement soulager la douleur, mais aussi prolonger considérablement la durée de vie des articulations malades et ralentir leur destruction. Ainsi, pour soulager l'arthrose, l'arthrite, les rhumatismes et autres problèmes articulaires, buvez un mélange de racines de gingembre frais, avec de l'eau, du miel et de la cannelle, 2 fois par jour. L'effet est perceptible après la première semaine d'admission. Le gingembre soigne les maladies cardiovasculaires. Les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins sont le fléau de l'homme moderne. Aujourd'hui, un homme sur 3 meurt d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral. Le gingembre aidera à faire face à ces maladies dangereuses. Le potassium et le magnésium qu'il contient renforcent le muscle cardiaque. Le fer prévient l'apparition d'arythmies et de tachycardie. Et le gingérol combat avec succès l'athérosclérose. Pour la prévention des maladies cardiovasculaires, achetez de l'huile essentielle de gingembre en pharmacie. Mélangez une goutte de cette huile avec une cuillère à café de miel. Consommez une fois par jour et vos vaisseaux seront en parfait état. Le gingembre comme aphrodisiaque pour les hommes. Le gingembre est capable de stimuler le désir sexuel chez les hommes. Mais pour cela, il doit être consommé régulièrement et sous n'importe quelle forme. Le gingembre enlève la gueule de bois. Les propriétés curatives du gingembre se manifestent également dans l'élimination du syndrome de la gueule de bois. Pour se sentir bien le matin après une fête, la première chose après le réveil est de préparer du thé au gingembre avec du jus d'orange et du miel. Un tel thé aide à soulager les symptômes de l'intoxication alcoolique. Le miel et l'orange aideront à combler la carence en vitamines essentielles et en glucose. Le gingembre soulage les douleurs musculaires. Les douleurs musculaires ne concernent pas que les sportifs. La racine fraîche aidera à soulager les douleurs musculaires. Il suffit de ne manger que 5 g de racines de gingembre par jour pour que la douleur disparaisse et ne réapparaisse plus dans le futur. Le gingembre aide à perdre du poids. Le gingérol contenu dans le gingembre est une aide efficace à la perte de poids. Il stimule la production de chaleur, accélère le métabolisme et facilite le processus de digestion.
Si vous souhaitez que nous réalisions ces recettes en vidéo, dites-le dans les commentaires. Quelle quantité de gingembre un homme peut-il consommer quotidiennement pour bénéficier de ses bienfaits? Il est généralement recommandé de consommer l'équivalent de 2 g de gingembre séché ou 10 g de gingembre frais par jour. Sous quelle forme consommer ou utiliser la racine de gingembre? Le gingembre est polyvalent. Il peut être consommé frais, séché et mariné. Il peut être utilisé pour faire du thé, des teintures et des décoctions. L'huile essentielle qui en provient peut être utilisée dans des lampes aromatiques et ajoutée à un bain chaud. Peu importe sous quelle forme vous utilisez cette épice, l'essentiel est que vous l'aimiez. Car il y a plus d'avantages et bénéfices pour la santé. Qui ne peut pas manger de gingembre? Comme tout remède, le gingembre a ses contre-indications. En raison de son goût brûlant, il peut nuire aux personnes souffrant d'ulcères d'estomac et de gastrite à haute teneur en acide. La cholécystite et la lithiase biliaire sont également des contre-indications. Vous ne devez pas faire de lotion et de bain à base de gingembre si vous avez des plaies ouvertes sur la peau ou si vous êtes sujet aux allergies. L'utilité du gingembre a été prouvée par les médecins et le temps. C'est un remède vraiment magique qui aidera à soulager les maladies chroniques, à revigorer, à remonter le moral et à se réchauffer lors d'une froide soirée d'hiver. Cependant, il ne faut pas oublier les contre-indications, et avant de commencer à utiliser régulièrement le gingembre, il est préférable de consulter un médecin.